Allez, bonjour tout le monde, ici Alplay4You, on se retrouve pour l'épisode 17 de la saison 6 de Minecraft Hardcore. Aujourd'hui, programme assez chargé, on va continuer à avancer dans les objectifs de construction et on va surtout, une fois que la nuit sera tombée, retourner dans la toute première galerie souterraine pour explorer l'immense trou. Je ne sais pas si vous en souvenez, dans les 2-3 premiers épisodes de la saison, j'avais trouvé un trou, alors appelons ça un trou, dans une immense galerie souterraine. Du coup, j'aimerais bien y retourner pour voir s'il n'y a pas un peu de diamant à l'intérieur. Donc c'est parti. Je vais vérifier, voilà, je suis bien en difficile. Mon spawn limit est bien à 130, pas de texte au défi, c'est parfait. On va reprendre la sauvegarde et on va avancer dans la forteresse. Hop, voilà, je vous avais quitté ici. La deuxième tombe est construite, on va essayer d'en construire une troisième dans cet épisode. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, ma tour infernale qui progresse. Il est 10h. On va avancer ici jusqu'à 18h, et à 18h, ce que je vous propose, direction, hop, direction la galerie pour explorer. Alors, il me faut, hop, des tiges, il me faut ça, on va se faire une pancarte et une nouvelle tombe. Voilà, j'ai encore tiré au sort quelqu'un. Ça c'est bon, ça c'est bon, j'ai de quoi faire la tombe, c'est parfait. On va poser ça là-dedans, je n'en ai pas besoin. Il va aussi falloir que j'avance dans mon jardin. On voit, il a pris belle tournure, hein, mais il me faut du blé. Voilà, c'est la galère, le blé, mais il m'en faut, c'est comme ça. Allez, on y va. On va s'occuper de la troisième tombe. Je vais essayer d'en faire une par épisode. Alors, qui est notre heureux gagnant? Touk, encore une fleur jaune. Hop, il s'agit, attention, suspense, ici repose la Team for Craft. Voilà, Team for Craft, vous avez laissé des messages dans les commentaires de mes épisodes. Je me suis promené, j'en ai choisi un au hasard et c'était le vôtre. Félicitations à vous, vous reposez tous ici dans une tombe. Hop, ça c'est fait, on continuera. Je rappelle qu'il y en a 8 au travers cette saison. Et du coup, c'est pas fini. Vous avez encore votre chance pour atterrir dans mon cimetière. Désolé, c'est un peu morbide, mais c'est comme ça. Ce serait bien aussi que j'avance dans mon arbre souvenir. Mais ce qu'on va faire, si j'ai de la laine, on va poser 2 tableaux. Puisque j'ai 4 tableaux à faire. Voilà, j'en ai, c'est parfait. J'ai 4 tableaux à faire. Et j'en ai déjà posé 2. Du coup, si j'en repose 2, j'ai fini mes objectifs de tableau. Et ça c'est génial. On va aussi... Ah, voilà, pendant que ça a poussé, parfait. Hop. Alors, ça c'est bon, j'ai tout pris. J'en ai que 3. C'est bizarre, ça. Ils sont vraiment radins. C'est canne à sucre. Tac, tac, tac. Ouais, bah, j'en ai que 3. Bon, bah tant pis. Allez, hop, je repose. Il faut... Hop. Il faut que j'avance dans mes bibliothèques. Du coup, de temps en temps, on va faire comme ça. Je vais en profiter pendant que je vois. Hop. Je vais faire cuire ça. Du coup, si je croise un cochon d'Inde, j'ai ma pomme en or pour le dresser. Ce qui serait bien, c'est... Je crois que j'avais... Quelque part... Voilà, ça. Parfait. On va garder ça. Hop, hop. Allez, on s'organise un peu. Si je croise un cochon d'Inde, j'ai une pomme en or pour le dresser, je vais me faire, hop, 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 un casque pour mon cochon d'Inde pour qu'il passe d'un niveau. À côté de ça, j'ai du blé aussi pour m'occuper de lui, j'ai du papier pour le renommer, j'ai un seau d'eau au cas où ça peut servir, j'ai un arc, ça c'est bon, j'ai du bois, hop, parfait, de la pierre, je n'en ai pas besoin, je la repose là, j'ai une pioche en fer de secours. J'ai des tiges, concernant ça, je le repose. Ça c'est bon, j'ai pas mal de nourriture, ça devrait suffire. J'ai ça, il va falloir que je remplisse ma gourde. Je suis prêt pour l'expédition de ce soir, si jamais elle a lieu. Hop, et elle aura lieu en tout cas. La statue de Mike a avancé, on va continuer à avancer un peu plus tard. Pour l'instant, pendant qu'il fait jour, je vais continuer à faire cette maison. Voilà, on avait posé... Ça c'est pas sérieux que ce soit ouvert, ceci on va en profiter... Non, je le ferai avant de partir en expédition. Hop.
un tableau ici et deux tableaux. Voilà, j'ai quatre tableaux. On va poser la suite du toit qui fait partie des objectifs design de cette saison. Hop. Hop. Voilà. Alors, ici, il y a des petits loupés. Comment je vais faire ici? Comment je fais? Je crois que je vais faire comme ça. Toc, toc. Alors, c'est sûrement pas aussi design que ce que vous, vous êtes capable de faire. C'est même sûr et certain. N'empêche que moi, je débute complètement là-dedans. Ça se voit d'ailleurs. Et du coup, on se retrouve avec un truc pas très joli, faut l'avouer. Mais qui a le mérite d'exister. Hop. Voilà. Alors, je vais me faire engueuler par, par mon équipe. Oh, il y a un... oh, il y a plein de moutons là-bas. Oh là, il y a un savant fou. Oh, là-bas, il y a vraiment plein de moutons. Il faudrait que j'y aille. Du coup, je pose juste ça et j'y vais. Voilà. Ok, c'est pas terrible. Priorité aux moutons. Priorité aux moutons. Hop, hop, on va y aller. J'ai énormément besoin de ces moutons. Pour la statue de Mike, pour mes moquettes aussi. Alors je sais que je peux les tondre, mais j'ai pas envie. Je préfère leur foutre un bon coup d'épée dans la gueule à ces moutons. Oh, il y en a plein, c'est magnifique. La tour a disparu, tant mieux. Voilà, donc je sais effectivement je peux les tondre hein, pour récolter un peu plus de laine. Mais non, voilà. Un bon coup d'épée dans la gueule, c'est tout ce qui mérite ces moutons. Ceci dit, vous voyez, ils sont quand même généreux. Oh, il y a un cochon d'Inde là-bas. Il y a un cochon d'Inde. Allez, viens là, le cochon d'Inde. Il a disparu. Non, il est là. Parfait. Et voilà, cochon d'Inde, t'as gagné. Hop, 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 hop. Oh, ça sert à rien de couiner, hein. Je sais que t'as pas envie. Tous les deux, on est dans la merde. Oh non, c'est pas vrai, j'ai bouffé la pomme en or. Quel abruti que je fais. J'ai bouffé la pomme en or. Fous-moi le camp, c'est le cochon d'Inde. Voilà, au lieu de cliquer droit sur le cochon d'Inde, j'ai cliqué droit dans le vent. Et j'ai bouffé la pomme en or. Voilà, j'ai tout gagné. Toi aussi, tu m'as énervé. Pas possible de perdre une pomme en or bêtement comme ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a du pain. Dégage. Oh, je suis dégoûté. Ouais. Une pomme en or, j'ai galéré pour l'avoir. Dégage, la vache. Oh, je préfère vous prévenir tout de suite. Il n'y a pas intérêt à ce que je croise un monstre. Je le désosse sinon. Et évidemment, la pomme en or qui me permettait d'apprivoiser le cochon d'Inde en un seul coup, je l'ai bouffé. Et du coup, il n'y aura pas de cochon d'Inde. Voilà. Allez hop. Je vais en profiter. On voit que la nuit tombe. Je vais aller vite fait dans ma galerie. Mais je vais faire le plein de la gourde avant. Ça c'est bon. Ok, bah, je suis dégoûté, il n'y a pas d'autre mot. J'avais une pomme en or qui me permettait d'apprivoiser en un seul coup le cochon d'Inde. Et évidemment, elle ne m'a servi à rien. Par contre, plein de moutons quand repop ici. Du coup, hop, retourner de moutons. Allez hop, schlac, parfait, dégagé. Ok, il en reste un ici et on se sauve. Ce serait dommage de se retrouver nez à nez avec un loup-garou. Je les déteste. Ils me détestent aussi. Nous nous détestons. Mais il faudra faire avec. J'ai eu un peu peur là. Hop, voilà, parfait. Allez ici. Bon, ici je laisse ouvert. C'est porte ouverte. Du coup j'ai quand même 18 blocs de laine. Ce qui est clairement une bonne nouvelle. Hop, ça dégage. Je suis plein comme d'habitude. Ça c'est pas une surprise. Je vais garder l'épée en or de côté au cas où. Hop, ici. Voilà, c'est parfait. Ça c'est bon. Ok, bon, je suis dégoûté pour ce cochon d'Inde. Je peux te dire que le cochon d'Inde et moi, on n'est pas dans la merde. Puisque on n'a même pas commencé, qu'on se déteste déjà. Et il faut que je le monte au niveau 5. Je ne me raconte pas la galère. Hop, voilà, je suis juste allé vérifier le niveau sonore puisque j'ai un nouveau casque et j'étais pas convaincu que vous entendiez grand chose. Bon, apparemment ça donne plutôt pas mal. Allez, on y va, je crois que c'était par la droite.
par la droite, par ici, où il y avait un trou. Hop. Alors, je sais plus trop où c'était. C'est fort probable que ce soit par là. Oui, voilà, c'était... Il doit y avoir une galerie pas très loin, parce que j'entends des... bruit de monstre. Voilà, c'est ici. Donc dehors il pleut et ici nous avons un trou. Hop. Voilà, parfait. Il va falloir que je descende ici. Du coup, on va se frayer un petit chemin. Doucement mais sûrement. Alors, est-ce que si je fais ça, ça passe? Voilà, hop, je passe comme ça. On va passer par là, puisque je vois qu'en même temps il y a du charbon. Du coup, toujours ça de pris. Hop, hop. Voilà. Allez, on continue de descendre. On va voir si c'est suffisamment profond. Avec un peu de chance, je vais me retrouver nez à nez avec du diamant. Ou pas. Il faut que je me méfie parce que là-haut c'est ouvert et bon, je prends pas le charbon par contre depuis tout à l'heure. Et ça c'est dommage. Qu'est-ce que je peux jeter? Qu'est-ce que je peux jeter? Aïe. Je peux pas jeter grand-chose. C'est bizarre, il me semblait avoir une place pourtant. Bah vous savez quoi, hop, je vais bouffer ça, voilà. Voilà, voilà. Et voilà, ok, parfait. Je reprends le charbon, allez, j'y retourne. Alors ça c'est embêtant. Voilà, toujours se faire un petit escalier. Si jamais j'ai besoin d'évacuer en urgence, je puisse le faire sans trop de problèmes. Alors on découvre un tout nouveau territoire. Hop, lancer de torche. Ici il y a de la flotte. Du charbon. C'est pas du tout rassurant cette histoire. Énormément de poissons. J'ai l'impression qu'il y a de l'or aussi. Ouais, il y a de l'or. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, de l'or. Alors, je peux pas prendre le poisson parce que je suis plein. Par contre, c'est réellement immense, comme d'habitude. Je me promène juste un peu, histoire de sécuriser les lieux. Ok, je retourne en arrière, je vais prendre le fer. Alors, évidemment, je suis plein, comme d'habitude. Soyons un peu sérieux. Oui, c'est le charbon. Et un loup-garou. Il y a un loup-garou. Pas si vous l'avez entendu. Mais il est bien là. Saloperie de loup-garou. Ah, flûte. Ça m'empête. Oh, il y a vraiment un loup-garou. Allez hop, je vais prendre ça. Je me méfie hein, que ça tombe pas dessus. Voilà, ici j'ai plein d'or. C'est parfait. Je suis obligé de garder la pierre parce que j'ai encore des tours de protection à faire. Et ça m'embêterait de m'en débarrasser. Par contre, j'ai beaucoup, beaucoup trop de pain à mon goût. Hop. Voilà, on va faire comme ça. On va prendre l'or plutôt. Ce sera une meilleure trouvaille.
Ok, de l'or, c'est très très bien si jamais j'ai besoin de me faire encore une épée en or de secours. Donc il y a bien un loup-garou. Oh putain, il est là, il est là, il est là. Voilà. Ouf. Voilà. Loup-garou exterminé. C'est jamais rassurant quand ça vous tombe dessus comme ça. Ok, ici c'est une impasse. Il n'y a rien. Le charbon, j'en ai pas besoin. Le fer, évidemment, je prends. Même si j'en ai déjà beaucoup. Ça peut toujours servir. Toujours pas de diamant. Ça, par contre, c'est vraiment désagréable. Pas être capable de trouver du diamant. Sachant que ça fait partie des objectifs de la saison. Notamment au niveau du Nether. J'aimerais beaucoup me faire une pioche en diamant. Dans l'objectif d'aller dans le Nether. Et ça. Ça, j'en ai pas. Alors, ça va pas du tout, ça. Faire comme ça. Voilà. Oula, ça continue par là. Allez, ça doit pas être compliqué quand même de me filer du diamant. Oh là là, c'est immense ici encore. Toujours des trucs immenses, de toute façon. Oh, il y a un donjon. Il y a un donjon, il y a un donjon, il y a des donjons, il y a des zombies. Voilà, encore un donjon. Oh là là. Oh là là. Il doit y avoir du changement avec les donjons parce que avant il suffisait. Voilà, il suffisait de poser une torche à côté pour qu'ils disparaissent. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, il faut complètement les détruire. Bon, ben voilà, j'ai encore trouvé un donjon. Parfait, excellente nouvelle. Même si. Même si ça me donne pas de diamant. Alors, énormément de blé, ça c'est génial. Pour mon cochon d'Inde, un seau, du pain. Du pain que je vais manger tout de suite. Hop, hop, comme ça, ce sera fait. Et voilà. Allez, je reprends ma pioche. Toi, je te laisse ici. Ici, on voit de la redstone, ce qui veut dire. Oh, il doit y avoir. Vous entendez, hein? On entend. On entend des trucs, je suis pas seul ici. Ouais, je suis pas seul, je pense que je vais creuser un peu ici, ça me permettra de faire un peu de minage optimisé pour voir si je peux pas trouver du diamant. Et surtout. Hop, surtout. Hop. Des torches, c'est parfait, ça dégage. Surtout voir si je peux pas aussi trouver une autre galerie. Et du diamant, toujours pareil, je recherche du diamant désespérément. Bon, ici on a de la lave, ça m'intéresse pas plus que ça. Oh là 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 là. J'aurais même tendance à vouloir boucher ce cube de lave. Oh, c'est immense, hein. Histoire de pas prendre de risques. Ouh là là, faut que je fasse attention, pas de bêtises. Hop, alors, on va y arriver. L'objectif, c'est juste de boucher ça. Voilà, fous-moi le camp. Ok, parfait. Allez, je continue un peu. Ici, de la redstone, mais pas de diamant. Je pense que je vais m'accorder une petite séance de minage optimisé très prochainement.
Car il me faut réellement du diamant. J'ai besoin d'aller dans le Nether pour ça. Oh bah regardez ça, ça continue encore là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là-dedans, c'est que ça continue de descendre. Du zombie, on entend du zombie. Allez. Il serait intéressant d'enlever ce gravier pour voir. Oh! C'est quoi ça? C'est du lapis? Ouais, j'ai trouvé du lapis. Excellente nouvelle. Ah, j'ai trouvé du lapis, ça c'est parfait, ça fait partie de mes objectifs. La tour infernale, j'ai du lapis à trouver. J'ai beaucoup de nourriture. Hop, voilà, on va prendre ça. Ça, on va le mettre là. Avec ça, c'est parfait. Voilà, j'ai trouvé du lapis. Ah, ça c'est génial. Alors, ça vaut pas du diamant, effectivement. N'empêche que ça fait partie des objectifs de cette saison. Au niveau de la tour infernale. Hop, voilà, je picole un peu. Ça fait du bien. Il serait vraiment intéressant d'enlever tout ça, ce gravier, pour voir ce que je peux trouver ici. Il y a 1 milliard de charbon. Oh là là, mais c'est... Est-ce que je vais réussir à revenir en arrière? La question que je me pose, parce que là j'ai l'impression d'atterrir encore dans un tout nouvel endroit. Bon, je serais pas venu pour rien, le lapis c'est toujours important, ça va me débloquer des couleurs. J'entends un bruit de singe. Oui, j'ai l'impression qu'il y a encore un donjon ici. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Alors il y a un bruit de singe évidemment, mais je sais pas où il est. Oh, un disque, regardez ça, j'ai trouvé un disque. Alors il me sert à rien dans cette saison, mais c'est sympa. Voilà, j'ai trouvé un disque. Bon, j'ai énormément de choses. Hop, ça je vais le prendre, je vais le mettre sur ma tour infernale aussi. Allez, du coup, je dégage ça. Hop, ça fait pas forcément partie des objectifs de la tour infernale, mais j'ai bien envie de le mettre. Ça fait toujours un peu plus sympa de rajouter des blocs sur cette tour. Ça continue par là. Ben, on se souvient qu'en arrière, j'ai aussi pas mal de choses à explorer. Il va être l'heure pour moi d'arrêter là, de se retrouver dans un tout nouvel épisode dès demain pour continuer à explorer cette galerie. Oh, ben, regardez ça. C'était pas voulu. C'était pas voulu, mais je me suis retrouvé encore dans une toute nouvelle galerie. C'est immense. Allez hop, j'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Demain, hop, je vais juste casser cette pioche. Voilà, pour faire un peu de place dans mon inventaire. Et je repars avec celle-ci. Demain, on se retrouve. Je continue d'explorer la galerie. Elle est immense. J'ai pas fini. J'ai encore tout ça à explorer. J'ai là-bas aussi à explorer. Il va falloir que je surveille ma gourde. Vous voyez, parce qu'elle descend pas mal. J'ai trouvé du lapis. C'est excellent. Et objectif, trouver maintenant du diamant. J'ai encore trouvé des donjons, mais j'en ai plus besoin. Et si possible, donc avec ce diamant, faire une pioche en diamant, collecter de l'obsidienne pour pouvoir aller dans le Nether très rapidement. Voilà, je vous retrouve demain pour la suite de cette saison 6 de Minecraft Hardcore. Salut à tous.